Nous, les hommes, nous sommes tous des aventuriers sur le chemin de la découverte. Alors, ne soyez pas prisonniers de la routine. Ouvrez les yeux. Saisissez chaque opportunité. Soyez fiers si par vos actes, des plus discrets aux plus fous, vous avez cassé les codes. Salut à tous, c'est Miri401, bienvenue dans ce nouvel épisode, ce septième épisode sur six meilleures civilisations Beyond Earth Rising Tide. Donc, dans l'épisode précédent, les aliens nous ont attaqué à nouveau malencontreusement. C'est quelque chose de fort regrettable, mais on va dire qu'on n'avait pas trop le choix. Par contre, excusez-moi, je note juste un truc pour moi. Hop, je le note vite fait. Voilà, excusez-moi, c'est pour juste moi éviter de dire des bêtises aux épisodes. On va valider le tour, parce qu'on n'a rien d'autre à faire, du coup. Et on va lui dire de faire ce trajet-là, par contre, t'es gentil, voilà, très bien. Comme ça, elle sera reliée au réseau, cette ville-là. Oui, j'accepte, très bien. Hop, au revoir. Alors, est-ce que l'IA fait ça par crainte? C'est le grand mystère, là, je vous l'avoue. Je comprends pas trop, des fois, le comportement de l'IA, personnellement. C'est un peu le bordel, faut le dire honnêtement. Des fois, elle fait des trucs un peu invraisemblables, même pas que des fois. Bon, c'est les mystères de la vie informatique, dira-t-on. Tout simplement. Donc on va valider l'emplacement de ces unités-là. On va placer ces unités-là par là. Réveiller l'unité. Hop. Ces unités-là, on va les renvoyer. On va aller par ici, nous. Des fois qu'il y a un truc par là. Votre explorateur. Merci, tais-toi. Toi, t'as fait ton boulot, c'est très bien, tu vas aller par là. Alors, du coup, ici, on va faire un nouvel explorateur à nouveau. Hop, c'est parti. D'accord, je sais pas ce qu'ils font. L'IA continue à taper la pauvre faune et flore. Bon, personnellement, j'essaie de me limiter, comme vous avez pu le constater. C'est un but purement pratique, parce que j'ai pas envie qu'ils me pourrissent la vie alors que j'essaie de faire une mission qui est plutôt complexe, va-t-on dire. Donc voilà, j'ai choisi cette option-là, du coup, beaucoup moins chiant à gérer. Donc, validé. C'est quelle ville qui a pris 4. Asraya, très bien. Très bien, très bien, tout ça. L'IA renouvellera quand elle voudra les accords, ça c'est son choix, pas le mien. Ça, par contre, je suis plutôt cruel dans ce domaine. Devons écouter les pierres d'un monde vivant. Ok, de Kavita Takur. Bah, c'est justement notre personnage. Cool. Des petites citations toutes mignonnes comme ça. Du coup, toi, tu vas aller par où, toi? Ouais, par là. Tac. Toi, tu vas continuer ton trajet par là. Tu vas continuer ton trajet par là. Toi, tu vas me faire ça. Du coup, ici, on va demander la construction de... En fait, je peux pas, zut. Je ne peux pas. Quel dommage. C'est que ça me gêne légèrement. Donc, du coup, ça veut dire qu'on va faire un chasseur tactique. Tant pis. Tant pis, tant pis. En recherche, on va faire... On va faire quoi en recherche? On va faire ça, à la limite. La boussère, ouais, pourquoi pas. Usine de biocarburant. Ouais, on va faire ça. Y a un entretien? Non. Donc on va faire ça. On va faire ça, parce que je crois que sur cette... Non, sur cette ville-là, on n'en a pas, par contre. Sur celle-là, on va en avoir deux, donc ça vaudra le coup. On va valider le tour. Impeccable, toi t'es arrivé. Puis après, il faudra faire le truc de l'aéro-roche. Ça pourra être utile, je pense.
Allez, allez. Très bien. Hop, on continue nos recherches. Du coup... c'est des algues. S'il faut construire une ferme. Je pense. On verra bien si c'est ça. Donc, toi, tu vas aller par là. Par là. Toi, ici. Avec tout ça, j'ai oublié de refaire un gérer mes traits de caractère. Militaire, puissance, défense de ville. Non, acquisition des cases, ça peut être intéressant. Production des unités militaires, non. Tuer une autre unité en combat, non. Précis, science pour tuer une unité, non. Pragmatique, coût d'entretien, ah, ça oui. Profiteur, rendement des routes commerciales avec les stations, non. Impérial, combat distance, non. Méfiant. Ouais, non. Intègre. Ouais, distance d'unité militaire, intéressant. Non. Plutôt choisir ça. Hop. Ça donne quoi comme accord? Raison intelligent. Bonus d'énergie chaque tour en fonction. D'accord. Plutôt fumé. Hop. Non, malheureusement, je peux pas prendre celle-là. Et j'ai pas assez pour le reste. Ok, très bien. Hop. Très bien. Donc, on a un peu avancé dans tout ça. C'est une bonne chose. Alors, du coup, on va aller... Hop, je vais lui demander de prendre cette case-là. Oui. Voilà, très bien. On va valider tout ça. Hop. Ensuite, on va... qu'est-ce qu'on va faire? On va aller par là. On va aller par là. On va aller par là. Vous faites une exploration. Toi, tu vas là. Tu me fais ça. Alimenter le futur. Nos ingénieurs ont fini par de construire la nouvelle usine de xénocarburant. Bientôt, notre peuple ne dépendra plus de ces dangereuses énergies fossiles venues du passé. Cette planète recèle de nombreuses manières d'alimenter notre ville en énergie, même si aucune n'est vraiment sûre. Quelle sera l'énergie du futur? Les miasmes, l'énergie passable, mais abondante, ou la puissante, mais rare xénomasse? Gain immédiat de 1000 d'énergie, puis de xénomasse, plus 3 d'énergie, et plus... Non, non, j'ai plutôt utilisé ça, voilà. Très bien. Ah, merde, j'ai pas lu la... Oups. L'énergie potentielle contenue dans la xénomasse compense largement ses réserves limitées. Plus il y a d'énergie exploitée, moins nous utiliserons de ressources. C'est notre solution pour un avenir durable. Très bien. Comme ça, on a gagné de la thune. Très bien. Ensuite, l'auto-usine. Ça peut être intéressant. Je sais pas si... Pff, ouais, mais j'ai qu'une truc, donc ça vaut pas trop le coup. Que faire comme bâtiment? Que faire? Sentinelle de station, ouais, à la limite. On va faire ça. Ça restera toujours plus intéressant que le reste. Et sinon, ouais. Et ici, il a bientôt fini ça. Ok. Bon. Excusez-moi. Tais-toi, merci. Du coup, on va aller par ici. Oui, ce qu'il faut aller par là, pardon. Je dis des bêtises. Du coup, on est obligé. Hop, on va aller là. Ici, on va produire un truc commercial, voilà. Hop, c'est parti. J'avoue qu'on n'a pas encore fait de ville marine. C'est un peu con, vous l'avouez. Mais c'est pas très gênant, je pense. Merci. Alors, il a fait quoi, mon agent? Il m'a rapporté 147. Waouh! Mais c'est que t'es doué. En fait, tu continues. Allez, hop. Toi, tu vas aller là. Puis après, il va falloir dévier un peu vers le sud, par contre. Toi, tu vas aller par ici. Toi, tu vas me faire ça. Ok, très bien.
Oups, excusez-moi. Donc, du coup, décision de quête forces invisibles. Des physiciens de notre tout nouvel observatoire ont découvert dans la troposphère de cette planète une forme unique d'oscillation des positrons. D'après les premières expériences, nos programmes de missiles balistiques pourraient tirer parti de ces effets pour gagner en stabilité pour les vols de longue durée. C'est maintenant une nouvelle question qui se pose. Comment faut-il mieux utiliser ce nouvel avantage dans les défenses de la ville ou les véhicules orbitaux? Je dirais plutôt améliorer les défenses de la ville. Voilà. Nos physiciens ont parvenu à améliorer la visée et le rayon d'effet des systèmes de défense de la ville. Ouais. Si, très bien. Hop, on va valider le tour. À leur allure. D'accord, j'ai plein d'accords qui s'annulent, là. Très bien. C'est pas très gênant. Enfin, en principe. C'est très rassurant quand tu dis ça, en principe. Donc, du coup... Hop, on va aller là. Toi, tu vas descendre. Toi, t'as fait ton boulot, donc tu vas aller par là. Toi, tu vas faire ton boulot maintenant. Nouvelle doctrine. Ressources de base, plus 1 de production. Ouais, allez, hop. Hop, c'est parti. Validé. Du coup, la puissance d'unité militaire. Oui, bon, si tu veux, moi je m'en fous, tais-toi. Du coup, hop, on va aller par là. Tac. Ah, ici on a sentinelle de station. Ah oui. Je vais le mettre là. Je sais pas pourquoi, ça me... C'est juste pour vous montrer un peu, donc ça ressemble à ça. Alors je sais pas si c'est vraiment très efficace comme système, mais... C'est toujours ça, écoutez. Ça permet de vous faire découvrir des trucs. C'est un truc qui augmente la défense, je crois, des stations et qui évite qu'elles tombent en ruine. À l'abandon, quoi. Interception aérienne. Toi, tu vas me le produire là, on va le renvoyer après. Et toi, tu vas me faire un... Je sais pas quoi. Bah rien. Tu vas me faire un... Qu'est-ce que je peux bien te demander? Bah tiens, tu feras ça. Voilà, hop. Plus 1 de population pour Mandira. Très bien. Ma ville est en train de péter en population 14. Je crois que je dois avoir une des villes les plus peuplées du jeu. Pour dire, quand même. C'est du n'importe quoi. La transmission cryptée a été reçue. Nous pouvons lire... Enfin, censurer. Vos efforts ont enfin fini par porter leurs fruits. Il est temps de... Pour vous, de faire une grande annonce. Effectuer une opération secrète de niveau conspiration 4 ou supérieur. D'accord. Du coup, toi, tu avances. Hop. Tu descends, toi. Tu vas aller là. Hop. Hein. Tu continues à descendre. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire, alors pas le choix. Hop. Hein. On va aller par ici. Toi, tu fais ça. Voilà. Quête mise à jour. Ok. Alors, j'en suis où? 4 sur 8, 4 sur 4. Enfin, 0 sur 4, ok. C'est la galère. Et en victoire... personne n'a avancé du coup. Ok, ça va. Je suis pas trop inquiet du coup. Il faut avouer que c'est pas des plus évidents. Donc ici. Hop. Petit véhicule d'exploration qu'on va emmener vers le bas. Toi, je continue à t'emmener vers le bas. Toi, je continue à t'emmener vers le bas aussi. Voilà. Toi, t'as fini le boulot, carrément. Je sais pas quoi te donner comme autre boulot. Je vais te mettre là. Voilà, il y a une case. Il y a deux cases à explorer, pardon. Enfin, exploiter, pardon. Toi, ici, je vais te demander de faire... des convois commerciaux, parce que je les ai plus, donc du coup, ça va pas être gênant. Ça, on s'en fout. Oui, bon, ben... Alors, du coup, toi, tu vas là.
Voilà, unité en attente d'ordre. Tu me fais ça. On valide le tour. C'est pas nécessairement une région très, très riche comme ville de départ, mais on s'en sort plutôt bien. On va pas s'en plaindre, du coup. Mais il faut dire qu'il y a peut-être meilleur comme point de départ dans le jeu. Donc. Allez. Valide-moi ça. Allez. Allez. Oh là 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 là. La galère. Tu vas par là. Tu descends par là. Tu vas là. Tu vas aller par là. Du coup, on va utiliser nos troupes. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Alors. Plus haut niveau d'énergie, plus haut niveau de science. Asraya gagnera 6, 4. Écoutez, on va faire du deal avec eux, ils sont contents. Et nous aussi. Et ici, on va demander la production de la relique. De toute façon, il y a plein de bâtiments qui manquent à cette ville-là, donc c'est pas très gênant encore. Ça devrait plutôt bien se passer comme ça. Ok, d'accord, c'est pas un bon plan ça. Ok. D'accord, d'accord, ok. Donc du coup je vais devoir me mettre là. Ça par contre c'est une bestiole très chiante. Ça je m'en rappelle. Bon, vous me direz quand on est avec les unités bien cheat entre guillemets, c'est pas trop un problème, mais elles sont quand même chiantes et désagréables quand on les a sur le dos. Ça je peux vous le confirmer. Toi tu vas me faire la mine. Tu peux aller là. Allez hop, très bien, au revoir. Du coup, toi... Ah ben non, tu peux y aller, c'est bon, cool. Voilà, valide le tour. Je pense que je suis celui qui a la meilleure vision de la carte pour le moment en jeu. Quand même pour vous dire la situation de la chose, hein. Ce qui est totalement ironique. Du coup, toi, tu vas descendre ici. Tu vas continuer à descendre. Tu vas aller par là. Toi, je te réaffecte à cette ville-là. Toi, je te descends. Toi. Il n'y a plus de station, malheureusement. Si, laboratoire. Voilà. Ici, il y a un petit fouille de petit site de recherche, ça peut être intéressant si on a de la chance. Chose que j'ai rarement, malheureusement. J'ai rien d'autre à produire, donc tu vas dormir. Voilà. Comme ça, ça nous évite des problèmes. On va faire ensuite 10% de science. Pas très tip-top comme truc. À la place, je vais te dire de faire du développement agricole, voilà. Vu que je peux rien te demander d'autre. Et toi, pareil, tu vas faire du développement agricole. Je vois vraiment pas quoi demander d'autre, donc hop, voilà. Ça compensera un peu. Route pleine. Pleine, donc, de ça. C'est parti. Ah, zut, lui, il est là, maintenant. Fuck. Ça, c'est une unité qui a été rajoutée en plus dans l'extension, donc plutôt pas mal. Elle est, enfin, chiante quand elle est contre vous en début de partie, mais sinon, elle est... Enfin, voilà. Nouveau spécimen de spécialistes mettent tout en œuvre pour découvrir les secrets de l'écosystème de cette planète. Et plus particulièrement, ceux des créatures extraterrestres. Ils ont besoin de matériaux pour leur recherche et de développement. En échange, ils nous offriront de belles récompenses. Oui, sauf que j'ai pas envie de buter des aliens pour le moment. Donc, voilà.
Toi, tu vas descendre comme ceci. Tu vas descendre comme ceci. Comme ceci. En interception. Ok, il n'y a rien du tout. Je vais devoir déplacer mes troupes. Pour protéger les possibles attaques aliens. On ne sait jamais. Si le jeu est plutôt... plutôt chaud. Ok, d'accord, t'as décidé de... What the fuck? Veuillez m'excuser, mais je peux peut-être vous aider. Attends. Si votre trait de caractère actuel ne vous semble plus aussi utile, vous pouvez en choisir de nouveau. Votre capital diplomatique est d'ailleurs suffisant pour le faire maintenant. Ok, l'IA vient de me faire un truc très chelou. Pour vérifier si d'autres traits de caractère... Va crever, toi. ouais, va falloir aller par là. Alors, du coup, toi, tu vas là. Et tu te soignes. Toi, tu descends. Tu vas là. Tu vas là. Là. Et là. Passe ton tour. Envisager de nouveaux traits. Oui, tout à fait. On va faire ça tout de suite. Voilà. Puis il ne restera plus que le trait politique. Ici, on va faire quoi? On va faire l'usine de xénocarburant. Ouais. Sinon, on va faire ça. J'ai pas de marée, donc je m'en fous. On va faire la clinique d'abord. Voilà. Ça permettra d'amortir un peu la situation, parce qu'on est un peu en galère. Alors, où est-ce qu'on en est, là? Excusez-moi, j'ai une information importante à vous communiquer. Ok, donc on va aller par ici. En ligne droite, ici. Ici aussi, hop. Alors. On va avancer jusque-là. On va avancer là. Il n'y a pas grand-chose. On va aller jusque là. On va aller là, voilà. J'en ai un qui fout plus rien. Tu continues ton boulot. Ok, t'as raté dans ta mission, tu me fais suer. Aïe 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 aïe, ok, bande d'incompétents. Donc on va aller par là. Peut-être qu'il y a un truc dans ce coin-là, une plante. Ça serait plutôt con. Mais sait-on jamais, l'IA des fois fait des choses bizarres. Allez, plus vite. Allez, allez. Allez. Ouais, les extraterrestres. Hop, il y a visiblement pas grand-chose, hein, pour le moment. Ici, alors, c'est quoi ça? C'est une plaine. On fait ça. Soigne-toi. Du coup, ça, oui, on va devoir l'attaquer. Hop, toi par ici, toi par ici. Par ici. Alors, ici, il y a un petit vaisseau colonisateur. Du coup... Toi, je peux t'utiliser aussi, tu peux tirer dessus. Ouais, allez hop. Hop, on va tirer dedans aussi. Voilà. Ça leur fait les dents aux aliens. Et ça fait les miennes. Ça me semble bien, très bien. Au revoir. Hop, on valide le tour. Hop, tu vas devoir me réparer ça, toi. Ça, on n'a pas trop le choix. Tac.
Ouh là là. Non, c'est bon, j'avais peur. Alors. Alors. Non, franchement, on s'en sort plutôt bien pour un pour une partie au départ qui n'était pas vraiment gagnante pour nous. Ça va. Un nid, on va se méfier. Tu vas me réparer ça. Tu vas tirer dedans. Tu vas les finir. Très bien. Hop. Toi, tu vas avancer jusque là. Ok, tu vas avancer jusque là. Alors, est-ce qu'on peut déjà lui tirer dessus? Non, pas encore. Donc, il va falloir faire ça. Un agent qui fait rien, on va lui réassigner une mission. Hop, ici il fait plus rien, on va lui assigner comme construction ça. C'est parti, voilà. Faut aussi qu'on réinstalle une ville ici, histoire de dire. Comme ça on aura 8 et 8, 16, 15 biomasse, ça sera pas mal. Pour nos affaires, à préciser. Alors, du coup... Hop. On va aller par ici aussi. Ça, ça a été réparé, donc c'est très bien. Donc on va aller par ici. J'ai pas envie que le monstre il me dégomme ma pauvre unité qui a rien demandé. Donc c'est très bien tout ça. Toi, tu vas jusque là. Tu valides le tour. Oula, non, non, déconne pas. Voilà. Je préfère ça. Oui. Si... Et encore, je sais pas tant fait de choses que ça, je trouve, personnellement. Oh non, sérieux. Mais quelle saleté. Oh là 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 là, ça me fatigue. Ok, j'ai encore gagné plein de trucs. Du coup, toi, tu pilles. Alors, on a gagné un artefact, herbe venteuse. Une plante semblable à la marrante. En suspension dans l'air, l'herbe... dans l'air. L'herbe venteuse est remarquable de par sa capacité à passer l'intégralité de son... type de vie dans les airs, pardon. Selon les lois de la physique, ces organismes devraient retomber au sol, mais les propriétés magnétiques de ces feuilles pourraient expliquer la facilité de l'herbe venteuse à flotter indéfiniment. Et on a gagné 25 de bouffe, cool. Mais il faut que je recule mes unités. Voilà. Donc on va continuer à avancer. Toi aussi, hop. Votre explorateur a remarqué une anom- toi aussi. Toi, t'as fait ton boulot, donc tu vas là. Tu me refais ça. Il va falloir attaquer ce truc-là. Alors, la grande question étant, est-ce qu'il peut... Non, le chasseur tactique peut pas attaquer, zut. Du coup, nous, on va devoir tuer ces bestioles-là. Et toi, tu ne sers à rien, ok. Donc, on a un agent qui ne sert à rien, on va l'envoyer... Alors, les unités transfuges, ça peut être sympa. Mais c'est pas évident. Mais on va quand même le faire, allez. Donc, en tout cas, je vois qu'on est à 28 minutes, donc on va se quitter là pour ce 7ème épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, à me rajouter sur Steam, Uplay... ou PS3, ou tous ensemble, la Myri 401. Et je vous retrouve une prochaine fois pour la suite de nos aventures sur Sid Meier's Civilization Beyond Earth Rising Tide. Tchuss! Et à la prochaine!